Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler lecture pour les enfants. Quand nous avons eu Charlie, pour nous, il était important qu'elle puisse avoir des références en termes de lecture autour du sujet de l'homosexualité et surtout de l'homoparentalité. On s'est un peu renseigné, on a regardé sur internet et on avait fait quelques achats il y a plusieurs mois. Donc avec un peu de recul, je voulais vous présenter quelques idées lecture pour vos enfants pour aborder le sujet des différents schémas familiaux. C'est parti! Le premier livre dont je voulais vous parler, ça s'appelle Jean a deux mamans. C'est le tout premier qu'on a acheté après la naissance de Charlie. On en cherchait absolument un tout de suite pour pouvoir lui expliquer les choses. Ce livre-là, je l'aime beaucoup parce qu'il est très simple pour les tout petits, c'est-à-dire que Charlie, on lui lit depuis un bon bout de temps. Les dessins sont simples aussi. C'est l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Jean, qui a deux mamans. Donc ça raconte simplement qu'il a deux mamans, mes deux mamans s'aiment comme un papa et une maman. Et voilà, je partage des moments avec mes deux mamans comme n'importe quelle famille. Donc ça me plaît parce que ça parle de famille, les choses sont belles, tout se passe bien, tout le monde s'aime. Le seul petit point négatif sur lequel j'ai tout de suite tilté en lisant l'histoire et je me suis dit oh, c'est qu'en fait on a une maman qui a porté l'enfant, donc très bien, l'autre maman qui pendant ce temps-là repeignait la chambre, et la maman qui a porté l'enfant, elle s'occupe de faire la cuisine, pendant que avec l'autre maman, le petit Jean va à la pêche ou joue au cow-boy. Alors, c'est le seul truc sur lequel j'ai un peu accroché au début, parce que je me suis dit, ah oui, ok, donc même quand il s'agit de deux mamans, il faut forcément qu'il y en ait une qui soit en cuisine et l'autre qui soit en train de bricoler, donc on retombe un peu dans ces schémas, un papa, une maman, le papa qui bricole et la maman qui fait à manger, donc c'est juste là-dessus où j'ai un peu tilté à chaque fois, mais... À part ça, c'est une histoire hyper simple et efficace pour tous les enfants concernés ou pas par le sujet, pour simplement raconter que voilà, c'est possible d'avoir deux mamans et ça peut très bien se passer. Donc je vous le recommande, surtout pour les tout petits, par la simplicité des dessins. Une autre histoire que j'aime beaucoup aussi, qui s'appelle 10 mamans de Muriel Douru, c'est l'histoire d'un petit garçon qui est victime de moqueries dans son école parce qu'il a deux mamans. Ses copains ne comprennent pas, et puis finalement il fait venir une copine à la maison qui découvre que sa famille ressemble à n'importe quelle autre famille avec ses deux mamans et sa petite sœur, et elle trouve que sa famille est super et ça permet d'ouvrir le débat, entre guillemets, à l'école où chaque enfant raconte un petit peu comment, à quoi ressemble sa famille. Donc il y en a un qui vit simplement avec son papa, l'autre qui a été adopté, l'autre qui vit seul avec sa maman. Donc finalement chacun se rend compte que toute famille est unique et différente, qu'il n'y a pas un schéma fixe à lire. Celle-ci, la princesse qui n'aimait pas les princes. Alors elle aborde pas l'homoparentalité, mais elle aborde l'homosexualité. C'est l'histoire d'une princesse que l'on veut absolument marier. Donc son père fait venir tous les princes du royaume, il n'y en a aucun qui lui plaît. Il fait venir les princes de d'autres royaumes, il n'y en a aucun qui lui plaît. Il fait venir des princes de différentes galaxies, il n'y en a aucun qui lui plaît. Puis il fait venir une fée dans le but qu'elle résolve le problème de sa fille, et en fait la jeune princesse tombe amoureuse de la fée et elle vécure heureuse très longtemps, etc. Ce que j'aime, c'est que c'est expliqué de manière très simple, à aucun moment ça ne pose un problème, c'est-à-dire que simplement, hop, elle tombe amoureuse, voilà, le roi se dit, ah ok, bon bah pourquoi pas, je ne m'y attendais pas. Et voilà, tout simplement, elles partent ensemble sur leur belle licorne et elles vont vivre leur vie à toutes les deux. Donc ce que j'aime, c'est que l'homosexualité n'est pas un sujet. Vous savez que j'y tiens au fait que simplement les histoires intègrent aujourd'hui le sujet de l'homosexualité sans en faire tout un pataquès. Pour une fois, la princesse peut partir vivre avec la fée une belle histoire d'amour. Une autre histoire qui ne traite pas d'homosexualité, qui ne traite pas non plus d'homoparentalité, ça s'appelle Les deux mamans de Petit Roux. Les deux mamans de Petit Roux, alors nous on l'a acheté étant persuadée que ça serait une histoire au sujet de deux mamans en couple, mais non, en fait ça parle d'adoption, donc ça parle de la maman génétique et de la maman qui a adopté l'enfant. Donc je trouve ça aussi très intéressant, comme je vous le disais, mon but est de présenter à Charlie les différents schémas familiaux et surtout pas de la cantonner à forcément de l'homoparentalité ou des parents hétéros. Donc cette histoire, elle parle d'adoption, c'est une très belle histoire autour des kangourous, les dessins sont super jolis. Un petit peu longue encore pour Charlie aussi, même si je lui lis souvent juste des petits extraits. Mais en tout cas, si vous voulez aussi parler d'adoption tout simplement aux enfants, elle est super, je vous la recommande vraiment. Un air de famille de Béatrice Boutignon. Alors, ce que j'aime dans ce livre, c'est les dessins qui sont juste extrêmement beau, plein de douceur, avec des différents modèles de famille autour des animaux. Voilà,
Ce qui me plaît le moins, c'est simplement que là, on est vraiment juste dans la description finalement de différents schémas familiaux. J'ai deux papas, j'ai deux mamans, j'ai un petit frère handicapé, j'ai un seul papa, une seule maman, etc. Donc ça présente tous les schémas, mais il n'y a pas vraiment d'histoire. C'est-à-dire que c'est vraiment, voilà la famille cigogne, comment elle est, voici la famille ours, voici comment elle est, la famille éléphant, etc. Donc c'est très bien parce que ça montre la diversité des possibilités. Après, ça manque un peu d'histoire derrière. Donc on la feuillette plus qu'autre chose, cette histoire, on la lit rarement en entier. On regarde les dessins, je trouve que Charlie s'intéresse beaucoup aux animaux, forcément à cet âge-là, il n'y a que ça qui compte pour eux. Donc elle aime regarder les dessins, voir que parfois dans certains dessins, il y a un seul parent avec un enfant, parfois il y en a deux, parfois il n'y a que les grands-parents, etc. Mais les textes en soi sont un peu moins pertinents par rapport à d'autres histoires. Juste, en tout cas pour les dessins, c'est canon. Une histoire qui parle de petites graines, les graines magiques. Ce livre-là, je redécouvre un petit peu avec Charlie en ce moment parce qu'on l'avait laissé un peu de côté, je le trouvais un peu complexe. Et finalement, en ce moment, ça y est, elle commence à faire marcher aussi son imaginaire de plus en plus, donc elle a moins besoin que les dessins soient très factuels. On parle de petites graines, de donneurs, de papa graines qui donnent une petite graine à des couples. Les petites graines vont faire le tour du monde, voilà, hop, elles voyagent et elles arrivent pour donner la chance à des mamans ou à des parents seuls d'avoir un enfant. Je l'ai raconté là, il y a quelques jours encore à Charlie, je trouve qu'elle percute de plus en plus ce qui se passe dans cette histoire. Ce que j'aime, c'est vraiment l'idée de la petite graine et que ça explique comment on fait. Expliquer qu'il y a différents schémas familiaux, évidemment, c'est une chose, mais ensuite, il faut expliquer comment est-ce qu'on en arrive là. C'est simplissime, mais ça fonctionne, elle aime, elle s'y intéresse en tout cas. On verra plus tard si elle a compris. Et pour finir, une histoire que j'aime beaucoup, ça s'appelle Le Safari de Zack. Alors, ce que j'aime dans ce livre, c'est qu'en fait, donc, il raconte l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Zack et qui raconte comment est-ce qu'il est venu au monde dans une famille avec deux mamans. Ce que j'aime beaucoup dans cette histoire, ce sont les dessins qui sont super chouettes. Voilà. Ce que j'aime aussi beaucoup, c'est qu'il raconte la rencontre entre ces deux mamans. Il raconte, mais de manière hyper, hyper simple et hyper banale, que ces deux mamans se sont rencontrées, qu'elles sont tombées amoureuses, qu'un jour elles ont eu le projet d'avoir un enfant, et ensuite voilà comment elles s'y sont prises, pardon. Comment est-ce qu'elles, leur famille vit aujourd'hui. Donc Le Safari de Zack de Christy Tinner et illustré par Kay. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. L'idée était donc de vous présenter quelques histoires, quelques idées de lecture pour vos enfants, qu'ils soient concernés par le sujet ou pas. N'hésitez pas à commenter cette vidéo juste là, en donnant aussi vos idées de lecture si vous en avez à partager. C'est hyper intéressant, il y a plein de mamans qui sont en recherche d'idées. Moi aussi, je suis preneuse, donc allez-y, mettez vos recommandations dans les commentaires. C'est tout pour moi, à très vite !